Avec ta souris, clique sur l'enfant de ton choix. Tape ton nom, s'il te plaît, et appuie sur Entrée. Il est temps d'aller dormir maintenant. Bonjour, oh je suis Merlois, oh je suis si heureuse de ta venue, oh, mes comptines sont toutes mélangées, tu peux m'aider à les retrouver? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Merlois? Chacun de mes personnages a perdu quelque chose, il ou elle a besoin de retrouver ce qui lui manque pour recomposer sa chanson, pour ça ils ont besoin de ton aide, tu veux les aider? Bien sûr! Bien, bien! Oh, si tu as besoin d'aide, tu peux me trouver dans ma maison. Allez, bonne chance. Sans ton aide, je ne peux pas compléter mes comptines. Allez, va chercher ce qui manque. Bonjour, quel est ton nom? Bonjour, je m'appelle Marie et je suis bien contrariée. Tu es quoi? Oui, en effet, cela a toujours été un souci pour moi. En parlant de soucis, j'ai égaré mon arrosoir. L'as-tu vu? Je ne pense pas, mais je peux chercher. Merci de ton aide. Oh, je ne sais plus où je l'ai laissé. Et toi, petit freluquet, as-tu vu mon vieux sou? Je ne sais pas ce que c'est qu'un sou. Incroyable! Ils ne vous apprennent de rien à l'école de nos jours. C'est une pièce. Je vais essayer de la trouver, monsieur. Peu importe mon nom, retrouve-moi mon sou. Bonjour, qui êtes-vous tous les deux? Je m'appelle Jacques. Je m'appelle Gilles. Et nous devons grimper la colline pour aller chercher de l'eau. Mais il nous manque quelque chose. Nous avons perdu notre seau. Pourrais-tu nous aider? Je vais essayer de trouver votre seau. Oh, oh merci beaucoup. Voici le puits d'Élise Eugène. C'est là que Mademoiselle Furet garde son tabouret.
C'est la maison de Monsieur Jean Bonneau et de sa femme. Ici, petit homme chante pour son dîner. C'est la maison du vieux roi Louis. Tête d'œuf se trouve ici. Ici, tu peux trouver un chat et son violon. C'est là où Suzette et son mouton vont à l'école. Pierre Citrouille et sa femme vivent ici. Tu peux trouver une statue dans cette fontaine. Un vieil homme vit dans cette vieille maison. Ici, tu peux trouver Jeannette. Tic-tac-toc, ici, tu trouveras une pendule. Jacques Horner vit ici. Ici, tu trouveras un petit garçon et son chien. Une mère et tous ses enfants vivent dans ce soulier. Voici le superbe jardin de Marie. Ici, tu peux trouver Petit Jean. Voici votre seau. Notre seau. Maintenant, nous pouvons aller chercher un seau d'eau. Avec quoi faut-il chercher l'eau, chère Élise, chère Élise? Avec quoi faut-il chercher l'eau? Avec un seau, mon cher Eugène, cher Eugène, avec un seau. Ah bon? Salut Élise, salut Eugène. Nous voulons te remercier d'avoir retrouvé notre seau. Et nous n'avons plus besoin de rien. D'accord, au revoir. Au revoir. Savez-vous où est le tabouret de Mlle Furet? Qui êtes-vous? Tu me demandes qui je suis? Je suis Mlle Furet. Qui d'autre pourrait donc détester autant le lait caillé? Hein? Si vous n'aimez pas le lait caillé, pourquoi mangez-vous? Par habitude, je crois. Vous avez perdu quelque chose? Oui, je ne retrouve plus mon tabouret. Cela t'ennuie si je fais un bout de chemin avec toi? Pas du tout. Je peux peut-être vous aider à le retrouver. Ma vieille grand-mère me disait toujours que je perdrais ma tête. Elle n'était pas attachée à mon corps. Et me voilà sans mon tabouret. Je peux vous aider, Mlle Furet? Bien sûr. Tu peux m'aider à retrouver mon tabouret.
Mon lécaillé refroidi et je n'ai plus rien pour m'asseoir. Suivez-moi, nous allons le chercher ensemble. J'ai trouvé votre seau, monsieur. Il était un vieil homme qui avait une vieille canne. Il trouva une vieille pièce à côté d'une vieille cabane. Il acheta un vieux chat, attrapa un vieux rat et vécurent tous ensemble dans une vieille maison de bois. Je suppose que je devrais te remercier pour ton aide, petit Freluquet. Je te suis reconnaissant, mais je n'ai plus besoin de rien. Merci et au revoir. Monsieur et Madame Jean Monod, je vous ai trouvé à manger. Ah, parfait. Dépose-le sur la table, veux-tu? Regarde, très cher, un beau jambon de régime. Ah oui, alors. Bon appétit. Mon mari, vous êtes vraiment trop gros. Je peux plus manger de gâteau, je peux plus manger de gigot. J'ai pas le droit aux bonbons, je suis vraiment trop gros. Tant pis, je ne mangerai qu'un peu de saucisson et 18 tranches de ce magnifique jambon. Vous avez besoin d'autre chose? Non, ma petite. Tout va bien maintenant. Merci. Oui. Très bien, merci. D'accord, au revoir. Au revoir. Voilà ta galette. Oh, chouette, ma galette. Je vais m'asseoir et la déguster. Tu veux une cuillère? Non merci, pas besoin de cuillère quand on a ses doigts. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Cette galette était un régal. Je n'ai plus faim. Merci de l'avoir... Bonjour, comment tu t'appelles? Mon nom est Petit Chat.
Je suis leste et j'adore sauter par-dessus les chandelles. Malheureusement, je n'en ai qu'une et je l'ai perdue. Je vais la chercher. Fantastique, je t'attends ici. J'ai trouvé ton arrosoir, Marie. Mon arrosoir, comme tu es gentille. Tu m'excuseras, mais je vais de ce pas arroser mon jardin. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous. On les plante avec le doigt, à la mode, on les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. Merci pour mon arrosoir. Sans toi, je ne l'aurais sûrement pas retrouvé. Bonjour, tu t'es perdue ? Moi perdue ? Oh, je ne me perds jamais. J'aime juste sortir pour aller voir mes voisins. Où vis-tu ? Oh, je vis dans une citrouille avec mon mari, Pierre Citrouille. Si tu vas par là, je t'accompagne. Je vous ai trouvé un bol de soupe. Il était une vieille femme qui vivait dans une chaussure. Elle avait tout plein de petits enfants et même pas de toiture. Tous les soirs elle leur donnait un peu de soupe et des gâteaux, en disant mes petits chéris, c'est l'heure d'aller faire dodo. Yuhu! Vous vous sentez mieux ? Oh oui, beaucoup mieux, merci. Oh, si tu ne m'avais pas apporté ce bol de soupe, j'étais perdue. Bien, maintenant, au revoir. Mais où peux-tu bien être ? As-tu perdu quelque chose ? Mon chien ! Mon petit chien! Je vais t'aider à le retrouver. Tu ferais ça? Il a les oreilles courtes et une longue queue. Il répond au nom de Médor. Bonjour, quel est ton nom ? Mon nom est Suzette. As-tu vu mon petit mouton ? Ta laine est aussi blanche que la neige. Je ne crois pas. D'habitude, il me suit partout. Mais là, je ne le vois pas. Je vais voir si je peux le retrouver. Ça serait vraiment gentil de ta part. J'ai un chaton qui s'appelle Zoé. Tu l'as trouvé ? Tu as retrouvé mon petit chien ? M'adore ?
perdu. Médor, Médor, où es-tu? Tout va bien maintenant? Oh, ça ne pourrait pas aller mieux. Je ne vais plus le quitter des yeux. Merci beaucoup. De rien. Gugus, j'ai trouvé votre violon. Charles, formidable, tu as réussi. Mets-toi là et écoute-moi, Zoé. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Merveilleux! Mon violon est toujours aussi bon! Tu les as trouvés? Oh, je te remercie. Il était une bergère, héros, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, ron, qui gardait ses moutons. Je suis contente de les revoir. C'est vraiment adorable. Voici votre tabouret, Mademoiselle Furet. Tu avais raison. Le voilà. Oh, regarde cette toile d'araignée. Je ferais mieux de manger mon lécaillé tout de suite. Pas de perte de temps, pas de gâchis, comme disait ma grand-mère. C'était Mademoiselle Furet sous un noyer qui prenait son petit déjeuner. Une grosse araignée vint à passer et lui fit peur à l'enchasser. Où la vieille araignée est-elle passée, Mademoiselle Furet? Je lui ai donné une cuillerée de l'écaillé. Elle s'est enfuie, complètement effrayée. En voilà de manière, Mademoiselle Furet. Thank you.
J'ai apporté votre pipe, Majesté. Ma pipe! Quelle joie de la revoir! Fait-on ça? Violoniste, vous trois, jouez-moi une polka. Maintenant, où est mon bol? J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du pain et du bien râpé, mais ce n'est pas pour ton vilainet. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'essaie d'écrire une chanson, ça ne se voit pas. Et pourquoi fais-tu cela? C'est évident, je m'appelle Petit Tom et je chante pour manger à ma faim. J'ai besoin d'une nouvelle chanson. Au fait, je n'ai pas de couteau et suis trop occupé avec ma chanson pour en chercher un. Tu peux t'en occuper? Je vais essayer. Sympa! Allô, piano poton! Monsieur l'œuf de poule. Je ne suis pas un œuf de poule. Je m'appelle Tête d'œuf, je suis fils d'autruche et je veux m'asseoir sur ce mur. Vous avez peut-être besoin d'une échelle? Une échelle? Mais oui, une échelle. Bonne idée. Tu peux en trouver une? Je peux faire ça pour vous, Tête d'œuf. Bien, bien. Tu vas m'aider. J'ai trouvé ta chandelle, petit Jean. Au bord de la rivière, malon tralala, malon tralala. Au bord de la rivière, petit Jean va sauter, petit Jean va sauter. Saute, saute par-dessus la chandelle. Saute, saute sans touler les ailes, sans touler les ailes. Bien, petit Jean? Ça n'a jamais été aussi bien. J'ai envie de recommencer.
Michel, t'as... Enfin ce que je voulais. Maintenant, regarde-moi. Tête d'œuf grimpe sur un mur. Tête d'œuf tombe de ce mur. Tout étourdi, démoli, engourdi. On le transporte à l'hôpital pour qu'il n'ait plus mal. Aïe, aïe, aïe. Comment vous sentez-vous, tête d'œuf? Brisé, petit. Mais je survivrai. Dommage, j'aime tant m'asseoir sur ces murs. Tant mieux si vous allez bien. Vous avez besoin d'autre chose? Oh non. Je pense que ça ira. Merci quand même. Bonjour, je m'appelle Pierre. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est de nouveau partie. Qui est partie? Ma femme. Elle ne peut pas rester en place. J'arrive pas à la garder ici. Je peux t'aider? Bien sûr, si tu la vois, ramène-la à la maison. Je veux voir ce que je peux faire. Voici ta femme, Pierre Citrouille. Pierre, Pierre, Pierre Citrouille avait perdu sa belle dame. Il l'a mise dans une citrouille, ainsi garda-t-il sa femme. Je veux te remercier, petit, d'avoir convaincu ma femme. Je pense qu'elle va rester cette fois. Je veux te remercier, petit, d'avoir convaincu ma femme. Je pense qu'elle va rester cette fois.
bientôt, salut. Poti poti. Ours, ours, nounours, non, ça ne va pas. Salut petit homme, j'ai trouvé ton couteau. Peut-être que je devrais essayer nez, gay, lait, mais... J'ai dit que j'avais trouvé ton couteau. Couteau, mais ça rime avec marteau. Et voilà du public, recule-toi, écoute-moi chanter. Comment couper son pain quand on n'a pas de couteau? Et comment boire du vin quand on n'a que de l'eau? Sympa d'avoir retrouvé mon couteau. Sans lui, je ne pouvais pas... Magnifique! Tu as le cheval de bois et juste à temps. Voici venir la belle dame. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse. Voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Tu as besoin d'autre chose? Non, tu as fait du bon travail. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.
La souris, juste à temps, il est presque une heure. Mets-toi là et regarde bien. Cric, crac, croc. La souris qui grignote. Dame pendule sonne un coup. Dame pendule sonne deux coups. Tic-tac, 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 toc. Tu as réussi, bravo! Maintenant, toutes mes chansons sont entières. Mais nous n'oublierons jamais ce que tu as fait pour nous. D'accord, petit? D'accord, Merlois. Oh, ce n'était rien. Oh mon Dieu, c'est déjà le matin. Tu ferais mieux de rentrer chez toi maintenant. Au revoir, tu vas nous manquer. Vous aussi, au revoir. Avec ta souris, clique sur l'enfant de ton choix. Tape ton nom, s'il te plaît, et appuie sur « Entrée ». Ah! Ah!